Aujourd'hui, nous allons te montrer comment fabriquer ta carte pop-up de l'avion 11 de Louis Blériot. C'est parti ! Utilise ta paire de ciseaux pour découper les différentes formes présentes sur les pages 1 et 2 de ton kit. Pour cela, il suffit de suivre leurs contours. En te faisant aider d'un adulte, munis-toi de ton cutter pour réaliser la fente dans laquelle tu viendras glisser l'aile de l'avion. Découpe également la partie qui se trouve juste en dessous de celui-ci. C'est le moment de laisser aller ton imagination. Vert, bleu, jaune, rose, orange, tu peux faire ce que tu veux. Et hop, magnifique! Passons maintenant à l'une des étapes les plus importantes. Pour commencer, plie le petit nuage le long de la ligne qui se trouve juste en dessous de celui-ci. N'hésite pas à appuyer bien fort avec tes doigts afin de bien marquer le pli. Ton pop-up en sera d'autant plus réussi. Pour les deux formes de nuages restantes, tu vas réaliser un pli le long des deux lignes qui se trouvent en bas, ainsi que le long de la ligne qui se trouve au milieu de chaque forme. Là encore, on appuie bien fort. Passons maintenant à l'aile de l'avion. Plie-la en son milieu et ajoute un peu de colle afin de faire tenir les deux faces ensemble. Et voilà, l'aile est prête à être installée. C'est parti pour la dernière étape. Munis-toi de la page 3 de ton kit. Elle sera la base de ta carte pop-up. Plie-la en deux le long de la ligne qui se trouve au milieu. Répète l'opération de l'autre côté. Tu vas maintenant assembler tous les morceaux qui composeront ta carte. Place les premiers nuages juste derrière les lignes du premier angle visible sur ta carte. Tu peux maintenant réaliser son collage. Fais attention, tu dois bien aligner le milieu de tes nuages avec le milieu de ta carte. Vérifie que tout fonctionne en fermant et en rouvrant ta carte. Répète l'opération pour les nuages où se trouve l'avion de Blériot. Cette fois, il faut que tu les places juste derrière les lignes du deuxième angle, encore visible sur ta carte. Viens placer le dernier nuage juste derrière la ligne qui se trouve sur la droite de ta carte. On ferme, on appuie bien fort, et voilà, ta carte est presque terminée. Glisse l'aile dans son encoche et le tour est joué. Tu obtiens ta carte pop-up de l'avion 11 de Louis Blériot. Bravo! Tu peux la garder ou l'envoyer à l'un de tes proches avec un petit mot dedans. Une chose est sûre, il aura une sacrée surprise en l'ouvrant. Prends des photos et des vidéos de ta carte pop-up personnalisée et partage-les sur les réseaux sociaux. Découvre vite les autres activités du musée. Et à bientôt!